Parti passer quelques jours de vacances dans un mobil-home en bord de mer, Jérôme et Diana Blois et leurs enfants ont eu droit à une bien mauvaise surprise en arrivant chez eux, impossible de rentrer dans leur maison. Ils ont raconté leur galère infernale. C'est l'une des plus imposantes tribus à avoir participé à Famille Nombreuse, la vie en XXL. Avec 9 enfants, la vie des Blois n'est pas de tout repos. Après le tournage de la saison 7, ils ont donc pris des vacances bien méritées dans un mobile home situé dans un camping près de la Méditerranée, mais le retour a été assez compliqué. Une expérience difficile et fatigante qu'ils ont néanmoins pris le temps de partager avec leurs followers sur les réseaux sociaux à travers des stories Instagram. Le couple et leurs enfants se sont, en effet, retrouvés à la porte de chez eux, incapables d'ouvrir. Diana Blois a détaillé ce retour pimenté et cette galère infernale, dont elle a ri après coup. On était comme des C, dur retour pour Jérôme Blois. Elle a ainsi expliqué que le couple était content d'arriver tôt, mais a ensuite dû passer 4 heures à percer la poignée d'une porte. On a eu un problème avec notre porte d'entrée, a détaillé Jérôme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, notre serrure connectée, ça mettait moteur bloqué. On était comme des C. Pour pouvoir entrer, il a donc décidé de percer le cylindre d'une porte d'accès au garage. Ce qui ne s'est pas fait sans mal. Ça a été une galère sans nom, a déploré un Jérôme visiblement fatigué. On est à la maison, il y a du taf, mais on y est arrivé, j'ai déjà changé le cylindre. On est vraiment bien entouré. Diana reconnaissante. Diana, de son côté, remerciait son adorable voisin qui, non seulement, a apporté son aide pour ouvrir la porte, mais les a aussi reçus dans sa propriété. Piscine pour les loulous, glace et boissons. On est vraiment bien entouré. Mais Jérôme n'était pas au bout de ses peines en matière de bricolage. La piscine est en état de catastrophe naturelle, a-t-il fait savoir dans une autre story. Il y a eu tellement de vent ici qu'il y a eu plein de végétation, dans l'eau, et ça avait bouché le skimé. Et pour couronner le tout, je viens de péter la brosse. Philosophe, il se dit tout de même content d'être rentré à la maison. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Ah.